Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un petit Lenormand que j'ai reçu de sa créatrice pour pouvoir le partager avec vous. Je te dis un tout grand merci, Isabelle, pour ce magnifique cadeau. Donc, il s'agit du petit Lenormand de l'attrape-rêve. Voilà. Donc, il est arrivé dans super bien emballé avec une jolie plume d'ailleurs que je vais précieusement gardée. Je l'ai d'ailleurs mis là pour la vidéo. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà, elle a une boutique Etsy qui s'appelle Isley Création. Je vous mettrai le lien directement vers sa boutique dans la barre de description. Comme ça, dès que vous cliquerez sur la petite flèche à droite en dessous de la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer dessus si jamais vous voulez aller voir. Et elle m'a mis un petit cadeau. Je trouvais ça trop mignon. Regardez, il y a des petits flocons. C'est super joli. Un petit bracelet qu'elle vend également sur sa boutique. Je crois que c'est du macramé. Hein. C'est super joli. Et regardez dedans comme c'est joli. Je ne sais pas si il va être d'accord. Oui. Enfin, on dirait pas, ce sont des fleurs séchées. Je trouve ça trop joli. Faudra que je demande du coup. Je voulais d'abord vous le montrer en vidéo. Faudrait que je demande à mes fils du coup de faire un nœud pour me le mettre à mon poignet. Voilà, ici vous le voyez mieux. C'est super joli, j'aime beaucoup. Et je garde tout, le pochon, les petits flocons et tout. Et il arrive dans, bah, le jeu arrive dans un très joli pochon. Il me semble que je sais pas si c'est oui, du lin, il me semble rouge, avec un petit attrape-rêve accroché dessus. Je trouve ça trop joli. Alors, on va le sortir du coup de sa petite pochette. Voilà pour le dos des cartes. Ça fait penser aux signes cartomantiques, bah des jeux de cartes à jouer qu'on retrouve sur les Lenormand, justement. Les tranches sont neutres. Alors, ici, on a une petite carte du coup de présentation. L'attrape-rêve, oracle Lenormand d'Isabelle Besant. Besant, j'espère que je dis bien. Conception, illustration et graphisme. Alors, à propos de la créatrice, eh bien voilà, artiste autodidacte, passionnée depuis l'enfance par le dessin, je n'ai cessé de créer. Puis j'ai intégré deux autres disciplines à ma pratique artistique, la photographie et le graphisme. En parallèle, fervente d'outils ésotériques tels que les tarots, les oracles, c'est en 2019 que mon premier oracle est né, l'oracle du bosquet sacré. Isabelle Besson. Et ici, vous avez du coup le lien vers sa boutique Etsy et vers son Instagram. Et une petite photo du coup d'Isabelle aussi. Voilà. Et ici, on a de la même créatrice, l'oracle du bosquet sacré. Alors, on a deux petites cartes recto verso avec les mots-clés. Ça, c'est toujours chouette à avoir. Hein. Voilà. On a le devant et le derrière. Pareil ici sur la deuxième. Voilà. Et on a alors en plus 10 cartes supplémentaires qui font oracle. Et je trouve super chouette, comme on a par exemple le totem. C'est dans l'esprit chamanique, hein. Vous allez me dire, les attrape-rêves aussi. Donc ça reste vraiment dans le thème. Le totem, le bison, etc. Voilà. Et j'aime beaucoup la numérotation aussi en chiffres romains comme ça. Voilà. Alors on a une petite carte aussi avec les tirages, ici en 3 cartes. Et ici en 9 cartes. Voilà. Et alors, ben, on va commencer tout de suite du coup avec les cartes. Hein. On a du coup ben, la petite illustration ici. Et sur l'attrape-rêve, on a le nom de la carte, donc le cavalier. Le trèfle. C'est simple mais joli, je trouve. Le vaisseau, j'adore avec ce, comment on appelle ça, ce petit canoë avec l'Indien, je trouve ça super joli. Ça reste vraiment dans le thème et c'est super chouette. Ici, on a les tipis pour les maisons, par exemple. On est vraiment dans le thème. L'arbre, les nuages, les serpents. Non, le serpent, enfin les serpents. Le cercueil. Le bouquet, la faux, et bon, vous connaissez mon amour aussi pour les attrape-rêves, vu que j'en ai un d'ailleurs ici.
Si, depuis quelques années déjà. Le fouet, donc forcément, ce jeu ne pouvait que me plaire. Les oiseaux. L'enfant, aussi avec sa petite plume d'Indien, je trouve ça trop joli. Le renard. L'ours. Et les illustrations ne sont pas chargées, c'est sous un fond blanc, c'est épuré, c'est très joli. Les très fin, voilà, les étoiles. Les cigognes, et on peut mal de se tromper. Le chien. La tour. Le jardin, ici, regardez avec ces Indiens. Le mont. Les chemins, avec les panneaux indicateurs. Oh, les petites souris, trop mignonnes. Bon, vous savez mon amour pour les souris maintenant. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. Le consultant et la consultante. Et en plus, il y en a deux. Il y a deux consultantes et deux consultants. Donc pour ceux qui aiment bien avoir les deux, pour les tirages avec deux hommes, deux femmes, c'est super. Je sais qu'il y en a parfois qui n'achètent pas les jeux quand il n'y a qu'un consultant et une consultante. Donc là, franchement, c'est top. Le lys. Le soleil. La lune, j'aime bien avec toutes les phases de la lune, je trouve ça génial. La clé, les poissons, l'encre et la croix. Et puis on passe aux 10 cartes supplémentaires, oracle, hein, avec le totem. J'aime beaucoup avec les totems indiens, justement. Les visons, le vison, l'aigle, le calumet. Très chouette. L'orignal, mignon comme tout aussi. La plume. Le tomahawk. Le loup. Et pour finir, non, je dis bêtises, avant-dernière, l'araignée et la tortue. Et du coup, bah ici, vous avez par exemple pour le totem, mysticisme, spiritualité, vision, esprit protecteur. Vous avez les mots-clés pour les petites cartes en plus. Et si jamais vous voulez juste utiliser les cartes du Lenormand, rien ne vous empêche d'enlever les 10 supplémentaires si vous avez envie de travailler juste avec les cartes du Lenormand, ou vous pouvez des fois les employer, des fois pas. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Franchement, il est super beau. Moi, je trouve super. Il est classe, voilà. Il est simple, il est épuré sur fond blanc. On ne sait pas se tromper. L'univers est très chamanique indien. Je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà. Bah, du coup, en plus, c'est un auto-publié par une Française en plus. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil du coup sur sa boutique si jamais vous voulez, ou pour voir ses créations. Comme ce très joli bracelet qu'elle m'a mis avec. Et ben franchement, je l'aime beaucoup. Encore un tout grand merci. Et la pochette aussi est très très chouette pour le glisser dedans. En plus avec la trappe fraîche. J'adore. Voilà. Ben du coup, dites-moi en commentaire si il vous plaît. Si vous avez craqué aussi, pourquoi pas. Si vous ne le connaissiez pas. Si voilà, dites-moi si vous êtes le Normand ou pas aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!